France 5 diffuse un nouveau numéro, ce jeudi 28 juillet à 21h, de la saison 12 des Trains pas comme les autres, le programme présenté par Philippe Gouglet. Ce dernier va, ce jeudi, réaliser son rêve d'aller dans les profondeurs de la Sibérie en plein hiver pour prendre le train transsibérien. Pour l'occasion, Téléstar vous propose de plonger dans les coulisses de l'émission et de découvrir notamment combien de temps prend un tournage. En juillet 2021, dans un portrait que lui consacraient nos confrères du Monde, Philippe Gouglet révélait que les tournages des trains pas comme les autres lui prenaient 8 mois dans l'année. Je tiens à peine 10 jours en place, 10 jours à Paris et il faut que je reparte, expliquait celui qui présente également Faut pas rêver sur France 3. Philippe Gouglet, pourquoi a-t-il besoin de faire voyager grâce à la télévision dans les colonnes du Monde? Philippe Gouglet confiait également avoir été très timide étant enfant. Si est-il ce trait de caractère qui le pousse aujourd'hui à faire voyager les téléspectateurs à travers le monde dans des trains pas comme les autres et Faut pas rêver? Gamin, j'étais extrêmement timide. Jusqu'à 15 ans, je ne disais pas bonjour à mes voisins. On voyait peu de gens, on ne sortait pas beaucoup. Le seul moyen que j'avais de m'évader, c'était la télévision, une lucarne sur le monde, vers des gens qui pouvaient faire des choses incroyables. J'ai lutté contre moi-même, explique l'animateur qui a banni un seul pays pour le programme de France 5, l'Islande. La raison? Il n'y a pas de chemin de fer.